Bien, c'est ce que nous apprend la paracha de la semaine, de penser à l'autre, de toujours mettre l'autre, le prochain dans sa vie. Et même dans les mitzvot, de penser aussi comment faire zikouya rabim, cela veut dire faire profiter des autres, soit de notre Torah, ou bien d'essayer de leur provoquer à ce qu'ils fassent des mitzvot. Regardez, je vais vous rapporter une très très belle histoire à ce sujet, sur Rabbi Yonatan Ipshitz. Rabbi Yonatan Ipshitz est un génie de naissance. Et lui, quand il a grandi, il avait une chavruta, un compagnon d'études. Et quand il étudiait avec lui, son ami, sa chavruta, toujours il disait à Rabbi Yonatan, « Regarde, j'en ai marre d'entendre les sons de cloche. Du matin au soir, j'entends ces sons de cloche. Un jour, je vais tout casser là-bas. » Alors Rabbi Yonatan lui dit, « Regarde, écoute, on est bichoutza la haret. Commence pas à t'attirer des problèmes, des gens ne nous aiment pas trop. Reste tranquille. » Et à chaque fois, il lui disait, « Reste tranquille, reste tranquille. » Mais malheureusement, son compagnon d'études, un jour, il a craqué. Il a craqué, il est rentré dans l'église et il a fait un massacre. Il a tout cassé et en plus, il a carrément enlevé la cloche de l'église. Naturellement, le bedeau de l'église l'a vu et il l'a coincé et il l'a mis dans la cave comme prisonnier. Et il l'a dit au prêtre. Le prêtre a fait une grande réunion avec tous les autres prêtres. Et donc le verdict, c'était quoi? Condamné à mort. Rabbi Yonatan Ipshitz a eu écho du problème. Et il a entendu que sa chavruta a été emprisonnée et malheureusement mise à mort. Il s'est dit, comment faire, Ribbono Haolamim. Et il lui est venu une idée. Il a dit, ma femme, mon épouse, Baruch Hashem, elle a reçu une très grosse dot. Quand elle était jeune, elle a reçu une très grosse dot. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cet argent et je vais m'en servir pour racheter, parce que c'est une grande mitzvah, de faire pidyon shvoyim, de racheter les prisonniers. Donc il s'est dit, je vais prendre tout l'argent et après j'expliquerai à ma femme dans 2-3 jours. Entre-temps, je vais m'absenter de la maison et puis dans 2-3 jours, je reviens et je lui expliquerai les tenants, les aboutissants. Entre-temps, la communauté avait entendu aussi que la chavruta de Rabbi Yonatan Ipshitz s'est fait prisonnier. Et ils ont tous voulu participer à cette mitzvah de Pidyon Shvoyim. Rabbi Yonatan a dit non, c'est pas la peine, Baruch Hashem, on a déjà récupéré tout l'argent. Et lui, il voulait faire la mitzvah de lui-même avec cet argent qu'il avait de la dot de sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yonatan? Il est parti voir le Bodot qui était un corrompu. Et il lui a dit, regarde, je vais te donner une très grosse somme d'argent. Est-ce que tu serais prêt à libérer ma chavruta, mon compagnon? Le bedeau devant l'argent, il n'a pas résisté, il a dit avec plaisir, d'accord, je vais le libérer, mais j'ai peur pour ma vie. Rabbi Yonatan lui a dit, réfléchi, mais pas trop longtemps. Il lui a dit, c'est déjà tout réfléchi, il n'y a pas de problème, donne-moi l'argent, je te le libère. Et c'est ce qui s'est passé. Entre-temps, les évêques et les curés ont entendu que le prisonnier a été libéré. Donc c'est sûr qu'ils ont soupçonné le bedeau. Entre-temps, le bedeau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout son argent qui a été gagné par la corruption. Il volait, il détournait beaucoup d'argent. Et il s'est dit, où je vais mettre tout cet argent? Il s'est dit, ah, les meilleures personnes de confiance, ce sont les Bnei Israël, les Juifs. Donc, je vais aller chez le rabbin des Juifs et je vais lui confier tout mon argent. Donc, il est parti en direction de la maison de Rabbi Yonatan Ipshitz. Lui étant absent, on va expliquer pourquoi. Alors, il tombe sur sa femme et lui dit, regarde, j'ai tout cet argent, je vais m'absenter quelques jours, si vous pouvez me le garder jusqu'à ce que je revienne. L'épouse de Rabbi Yonatan a dit, ah, pas de problème, on te garde tous les trésors, des caisses et des caisses d'argent et d'or, etc. Et elle le met de côté. Le bedeau, entre-temps, il fonce pour se sauver à l'extérieur de la ville. Et sur un pont, il se fait coincer. Et là-bas, il y avait plein de soldats qui l'ont bloqué. Ils lui ont dit, soit tu nous dis là où est le prisonnier, et si c'est toi qui l'as fait, et tu nous le ramènes. Et comme il n'était pas capable de le faire, ils l'ont tué sur place, et ils l'ont jeté par-dessus la mer. Par-dessus bord. Notre bedeau, Alav Shalom, il est parti de ce monde.
comme je vous ai dit au début de l'histoire, que Rabbi Onatan Avshitz, lui aussi, il s'est absenté pendant 2-3 jours comme ça de la ville, pour qu'il n'y ait pas de problème de shlom bayit, parce que si sa femme s'aperçoit que tout l'argent a disparu, oh, il y a là les problèmes. Donc, il a attendu quelques temps. 3 jours après, il revient à la maison. Il s'est dit, j'espère que ma femme, c'est sûr qu'elle a dû s'en rendre compte, qu'elle ne va pas me crier dessus et que je lui explique. Donc, il frappe à la porte, son épouse ouvre la porte avec un sourire jusqu'aux oreilles. « Waouh, mon chéri, Baruch Abba, tu ne sais pas quelle nouvelle il y a ?» C'est que j'ai entendu que le bedeau s'est fait tuer. Et avant qu'il parte de la ville, il nous a laissé des charrettes et des charrettes et des caisses d'argent et d'or. Regarde un petit peu le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie. Là maintenant, Rabbi Onatan Avshitz, il a compris pourquoi sa femme était vraiment très contente. Et vous allez me dire, lui aussi doit être content. Eh bien, notre surprise, Rabbi Onatan Avshitz, il commence vraiment à se déchirer les habits. Il était très triste. Et il s'est dit, aïe, 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 qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible. Pourquoi il m'est arrivé ça? Son épouse, la rabbinite, ne comprenait pas. Elle lui dit, mais explique-moi, Rabbi Onatan, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est là où le rabbi lui met au courant de la dot qu'il a pris pour pouvoir payer la rançon. Alors, Rabbi Onatan Avshitz, à ce moment-là, il se dit, mais regarde, comme si Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu de cet argent et de cette belle mitzvah que j'ai pu faire, et il l'a carrément, il m'a fait rembourser, il nous a remboursé, kefi kiflaim, triplement, parce qu'il ne veut pas de ma mitzvah, mais je ne comprends pas pourquoi. Alors Rabbi Onatan Avshitz, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on appelle She'elat Halom. She'elat Halom, c'est-à-dire on lit un texte, on jeûne, on lit un texte, on met de la tzedaka avant de dormir. Et on pose la question à Kadosh Baruch Hu pour avoir la réponse. Et c'est ce qui s'est passé. Dans le rêve, il y a un malach qui vient et qui lui dit, Rabbi Onatan, tu sais pourquoi on t'a rendu tout l'argent? Parce que tu as refusé l'argent de la communauté. Pourquoi tu prives la communauté de s'associer à la mitzvah de Pidyon Shvuyim, qui est une très très grande mitzvah? Alors c'est pour cela que là au Bashamaim, dans le tribunal céleste, on a refusé ta mitzvah parce que tu as interdit, tu as bloqué la possibilité aux gens de la communauté de s'associer à cette grande mitzvah. Et c'est là où Rabbi Onatan Avshitz écrit dans ses livres, lorsqu'on fait une mitzvah, il faut faire participer les autres de façon à leur donner du zechout, du mérite, et que ce mérite puisse se propager. Ça veut dire, moi je fais une mitzvah, je donne la possibilité à l'autre, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par email, que ce soit par téléphone, on envoie un message, vous rendez compte, un message de Torah, on l'envoie, lui il va l'envoyer à 3-4 de son groupe, ensuite du groupe à d'autres personnes, et ça va voyager dans le monde entier. On est mezaké et arabim. Et Rabbi Obadiah Yosef m'avait dit une fois, quand j'ai été le voir à l'Abba Shalom, il m'a dit, continue toujours à faire cette grande mitzvah de Zikoui Rabim. Et qu'Hachem nous donne le mérite, Be'ezrat Hachem, de pouvoir faire cette mitzvah, c'est-à-dire d'avoir le mérite, qu'Hachem nous donne le mérite de faire des mitzvot et des mitzvot pour le Ham Israël. À très bientôt et que le mérite de Rabbi Onatan Avshitz nous protège et vous protège à tous. Kol Tov, Shalom Shalom.